Kikou, alors vous vous souvenez, j'avais dit que je vous montrerais le résultat par rapport aux lampes solaires que j'ai achetées chez Action. Donc bah, c'est chose faite, je vais vous retourner, je vais vous montrer ça. J'ai hâte de voir cette nuit ce que ça va donner. Donc j'en ai installé deux ici avec la petite lampe solaire là à 79 centimes. Là, on va se tourner tranquillos. J'en ai installé une là parce que ce coin est un peu à l'ombre. Enfin, pas à l'ombre. Un peu. Il n'est pas éclairé en fait la nuit. J'en ai installé une là juste au niveau de sa cuve à eau. J'espère juste. Je sais pas ce qui. Ah, il y a une moto qui descend. Je disais, j'espère juste que. Qu'il va pas me la dégommer. Non, voilà, bon, après j'ai confiance en Jean, mais voilà, c'est pour éclairer un petit peu la cuve à eau. J'en ai installé une ici, une là pour bah, quand je viens directement pour être moins moins dans le noir en fait, clairement. Là, il y en a toujours deux sur la porte. Là, j'en ai installé une là, une là, une là, et j'ai fait tout le couloir comme ça, sauf là-bas derrière le dernier poteau, je ne l'ai pas fait. Tout simplement parce que j'ai trop peur que ce petit monsieur-là, qui m'a déjà dégommé une lampe solaire, me la bouffe très clairement, et c'est du verre, donc on va éviter les accidents. Voilà, donc j'en ai mis tout côté électrique, là, fil électrique, mais pas là-bas parce que j'ai trop peur. Et là, j'ai fini avec une lampe solaire comme ceci, une lampe solaire comme cela et une lampe solaire comme là. Pour éclairer un petit peu ce coin-là. Là, il y a une lampe solaire qui a poussé, que j'ai acheté, que je voulais de base mettre ici. Sauf que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Donc, je vais aller faire un tour fureter Action et puis je vais voir ce que je peux trouver pour mettre là, qui rentrerait et qui serait pas trop grand. Enfin voilà. Et je vais me racheter le même type de lampe solaire pour mettre juste là, là. Comme ça, et bah il sera éclairé en hiver. Voilà. Je veux plus dépendre de l'électricité, je veux dépendre du solaire. Voilà, pour vous donner des petites nouvelles. Et sinon, les garçons, bah, vont bien, tous les deux. J'avais eu un petit peu peur aujourd'hui parce qu'il y a un chien qui lui a aboyé dessus et qui comprenait pas, mais bon, c'est pas grave. Je sais pas ce que. Oui, c'est rien, c'est rien. Et lui, bon, égal à lui-même. Je vais peut-être reprendre le travail avec lui. Là, on est le week-end de Pâques. Je vais reprendre un peu le travail avec lui durant le week-end de Pâques. On va voir si j'ai du temps et si je me décide à le monter ou pas. Voilà. Bon, Jean, lui, c'est tranquille, pépouze. Hein. Lui, c'est balade à pied à côté de lui, à faire un petit peu de brout-brout. Et puis voilà, ça s'arrête là. Bon, je distribue les rations, mais j'ai oublié de vous montrer. J'en ai installé une ici et une là. Là. Comme ça, et ben, il est un petit peu éclairé. Voilà. Allez, je vous laisse sur la.